Aujourd'hui, je vais devoir finir Minecraft, mais toutes les 60 secondes, je change de dimension. Alors non, c'est pas une blague, vraiment toutes les 60 secondes, je serai soit dans le Nether, soit dans l'End, soit dans le monde normal. Il va falloir que je sois assez rapide pour récolter un maximum de ressources dans chaque monde pour finir Minecraft. Ah, je sens que ce défi va être ultra hardcore. En tout cas les gars, boum, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Si tu veux apparaître sur cette liste, bah il suffit d'être abonné. On approche des 100 000 abonnés, donc vraiment, allez hop hop hop, on les fait péter rapidement là. Vous avez mon Discord dans la description. Et sur ce les gars, on peut commencer la vidéo. Allez du coup c'est parti, ça commence directement. J'ai 54 secondes dans le monde normal. Et bah je vais commencer par directement récupérer du bois, parce qu'il me faut un maximum de blocs et il faut que je me fasse un maximum de bon stuff. Le problème c'est que je sais pas du tout comment je vais faire pour récupérer des ressources comme du fer, etc. Mais déjà je vais essayer d'y aller étape par étape. Et pour le moment bah je récupère du bois un maximum. Ok, maintenant je suis dans le Nether et je me fais directement attaquer par un squelette. Non, il faut pas que je meure là. Je vais pas perdre le défi directement d'entrée de jeu quand même. Non mais là sérieusement, vous voulez que je fasse quoi ici? Là je peux rien faire. En plus il y a un bastion juste là-bas. Mais bon, en 25 secondes je pourrais jamais y aller. Au pire il y a un portail du Nether abandonné. Mais bon, 16 secondes là c'est fini là. En plus j'ai même pas de bouffe, comment je vais faire? Dans une seconde je me téléporte, allez. Et oh ok, de nouveau dans le monde normal et je peux récupérer de la cobble. Parfait, on va se faire directement la petite pioche. Et c'est parti pour récupérer de la cobblestone. Et par la même occasion il faudrait que j'arrive à me faire de la bouffe. Oh purée, ça va être complètement dur ce défi. Je sais pas pourquoi je me lance dans des trucs aussi durs comme ça. Mais si j'y arrive, ça veut dire que bah j'ai quand même un très très bon niveau sur Minecraft. Ok, je vais récupérer ma table de craft. Est-ce que j'ai le temps? Et non, je crois que j'ai pas le temps. Et non, j'ai pas le temps. Ok, bon, me voilà dans l'end, je crois. Mais bon, ok, je suis dans l'end. Bon, là, qu'est-ce que je peux faire d'utile? Déjà, bah, je vais me faire tous mes outils en cobble. Bah, au moins, j'ai le temps de le faire. Voilà. Et est-ce qu'il y aurait pas un donjon ou un truc comme ça? Non, il y a pas de donjon. Bon, c'est pas grave. On va récupérer un maximum de bouffe. Bon, c'est pas la meilleure bouffe, mais bon, c'est déjà bien. J'ai aussi énormément de blocs à récupérer. Comme ça, je peux péter les Ender Crystals facilement. Et me revoilà dans le monde normal. Purée, mais tout s'enchaîne ultra rapidement. Bon, je vais récupérer un petit peu de mouton. Voilà. Bon, ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude, mais j'espère que vous allez kiffer. Vraiment, je vais récupérer un maximum de bouffe. Allez, s'il te plaît, boum. Il y a pas de monument, donc je vais essayer de récupérer un maximum de blocs. Vraiment, je pense que c'est le truc dans lequel j'aurai le plus besoin. Et du coup, je suis retourné dans le monde normal. Bon, il y a un petit peu de vaches, on va les tuer. Hop là, allez, meurs, merci. Vraiment, ce qui est cool avec ce défi, c'est qu'il faut que je récupère vraiment un maximum de trucs le plus rapidement possible. Est-ce que j'ai le temps de récupérer du charbon? Et oui, il y en a juste ici, parfait. Bon, j'ai 20 secondes, il faut que je me dépêche. J'entends des zombies et tout, mais bon, c'est pas grave. Il y a toujours pas de monument. Alors, ah si, il y en a un juste ici. Bon, j'aurai pas le temps de le choper, du coup je vais essayer de tuer un maximum d'Underman. Allez, on va en regarder plein directement. Il me faut beaucoup d'Underperles. Oh non, je sais même pas si j'aurai le temps d'en tuer un seul. Allez, viens là, oh parfait. Et ok, je me suis retépé dans le monde normal. J'ai récupéré 2 Underperles. Bon, maintenant je pense que le truc le plus opti, ça serait de faire cuire ma bouffe directement. Voilà, ça cuit. Et en même temps, je vais récupérer du bois, pourquoi pas. Et ça serait bien de tomber sur un village la prochaine fois. Comme ça, peut-être que je peux avoir des échanges assez intéressants avec les villageois. Mais vraiment, ce défi est ultra hardcore. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Et du coup, me voilà dans le Nether, ok. Et je viens d'oublier de prendre ma bouffe dans les fours. Ok, très bien. Ça commence très très mal. Mais vraiment, là, si je tombe pas sur une forteresse ou un bastion, je vois pas à quoi peut me servir le Nether, là, pour le coup. Bon, bah, je me balade, je contemple un peu le monde. Dans 3 secondes, je me TP et j'espère que c'est l'end avec un monument à côté de moi. Et non, c'est le monde normal. Bon, bah, je vais devoir me refarmer de la bouffe, j'ai pas le choix. Ça serait quand même beaucoup plus simple avec un village, mais bon. Oh, un zombie m'a donné du fer directement, let's go. Est-ce que j'ai le temps de tuer l'Enderman juste ici? J'espère que j'ai le temps. Et non, j'ai pas eu le temps, bon, c'est pas grave. Et du coup, me voilà dans l'end, ok. Purée, mais je peux pas spawn à côté d'un monument, là. Bon, bah, on va essayer de tuer directement des Enderman, je n'ai pas le choix, en fait. Et me voilà encore dans le Nether, mais purée, mais ça s'enchaîne, hein. Est-ce qu'il y aurait pas un... Oh, il y a un bastion, il est tout près de moi. Le seul problème, c'est que, bah, il y a de la lave qui me sépare de lui, donc je peux même pas y aller. Oh, purée, je sais pas comment je vais faire. Bon, bah, je me téléporte, et on arrive directement dans l'end. Allez, s'il te plaît, dis-moi qu'il y a un monument. Et pour le moment, bah, j'en vois pas. Oh, let's go. On a directement un bateau, je peux avoir des élytrages et 40 secondes pour y aller. Je vais essayer d'utiliser une Enderpearl, mais j'espère que je vais pas me fail. Allez, s'il te plaît, dis-moi qu'elle passe l'Enderpearl. Et oui, parfait. Vite, je descends en bas, je récupère ça directement, je prends tout ce qu'il y a dans le coffre. Allez, s'il te plaît, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, je récupère vraiment tout. Voilà, let's go. Et je me barre. Je peux même récupérer un petit peu de popo, let's go. Oh, parfait là pour le coup. J'ai récupéré un pantalon en diamant protection 4 Unbreaking, des bottes en fer protection 4 aussi, mais wesh. Une pioche en diamant, efficacité 4, fortune 3. Oh, celle-là, elle va me servir de ouf. J'ai même récupéré un petit casque. Le timing était quand même assez chaud. Bon, je me suis retéléporté. Oh, je suis dans une forteresse. Vite, il faut que je descende vers les coffres et que j'essaie de récupérer un maximum de ressources. Ce qui est bien avec ce défi, c'est que j'ai pas besoin de farmer les perles de l'end. Vu que je me TP directement dans l'end, j'ai des chances de tomber devant l'Under Dragon. Bon, il y avait pas de coffre dans cette forteresse, du coup, bah, c'est pas grave. De toute façon, je me téléporte dans 3 secondes et me revoilà directement dans le monde normal. Bon, niveau stuff, je suis quand même assez bien, mais il me faudrait quand même un plastron. J'ai le droit à un village ou c'est pas possible? Vraiment, tant que j'ai pas de village, je suis obligé de manger cette bouffe là, pas
ouf. Et du coup, oula oula, où est-ce que je suis? J'ai spawn où? Mais j'ai spawn dans le pire endroit, je suis dans rien du tout. Oh, par contre, je peux récupérer un maximum de blocs rapidement grâce à cette pioche. Bon, bah, on va en prendre plein, plein, plein. Et normalement, ça devrait le faire. Je trouve qu'on s'en sort pas si mal finalement. Pourquoi pas essayer de choper un petit peu de netherite si j'ai de la chance? Mais je pense que j'ai clairement pas de chance. Bon, 3 secondes, je vais me téléporter, je pense, dans l'end. Et oui, c'était dans l'end. Avec le fer que j'ai récupéré sur le zombie, bah, je vais directement me faire un bouclier. Et il me reste déjà 20 secondes. Non, mais regardez mon stuff, il est complètement aléatoire. J'ai des élytras et une épée en pierre. Ok, donc là, je vais me téléporter. Ok, dans le monde normal, dites-moi qu'il y a un village. Oh, let's go, enfin! Je suis béni des dieux. Je vais enfin pouvoir manger autre chose que cette bouffe ignoble. Et en plus, il y a une forge. Oh, parfait. Bon, par contre, j'espère que j'aurai le temps quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Ok, du fer et un plastron. Oh, let's go. J'ai même une épée en fer, parfait. Bon, bah là, je suis vraiment bien là. Je suis même plus à plaindre. Oh, à force de parler, j'ai pas eu le temps de récupérer de la bouffe. Allez, s'il te plaît, dis-moi que j'ai le temps de récupérer un petit peu de. Ouais, non, même pas. Ah, j'ai trop le seum. En vrai, j'ai une idée assez cool. Il faudrait que je me fasse des feux d'artifice. Comme ça, pour péter les Ender Crystals, ça va être beaucoup plus simple avec les élytras. Et même pour me déplacer dans l'End ou n'importe où en fait. Du coup, ça va être l'objectif. Mais bon, là, je me balade tranquillement. Il y a absolument rien d'intéressant. On a un petit Enderman là. Pourquoi pas le tuer directement? Allez, viens là, frérot. Boum, boum, et boum. Bon, bah, c'était un radin. Il m'a pas donné de perles. On a encore une forteresse ici, mais j'ai pas le temps d'y aller. Purée. Eh, vraiment, c'est trop dur le fait qu'il y ait 60 secondes à peine. Je me fais attaquer par deux ghasts. Laissez-moi tranquille. Oh, ok, je viens de spawn devant l'Ender Dragon. En vrai, j'ai peut-être le temps de péter une Ender Crystal. On va se téléporter directement. Et faut MLG. Non, non. Oh, purée, j'ai failli mourir. Bon, on va essayer de monter tranquillement. Mais bon, là, j'ai plus de vie. Allez, boum. Ok, j'ai pété une Ender Crystal. Bon, il me reste plus que 2 secondes. Et bah voilà, je suis téléporté. Bon, au moins, on sait qu'on a déjà une Ender Crystal de cassé. Pour les feux d'artifice, faudrait que j'arrive à trouver directement bah, de la canne à sucre et des creepers. Parfait, il y en a juste ici. Let's go. En vrai, il y en a pas qu'un peu en vrai. Et je viens de me dire, je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé les élytras pour aller de tour en tour quand j'étais devant l'Ender Dragon. Bon, c'est pas grave, c'était une erreur de ma part. Et là, vraiment, il y a absolument rien à faire ici. En vrai, faudrait que j'arrive à miner un petit peu de diamants, pourquoi pas. Allez, de retour dans le monde du Nether. Ok, très bien. Toujours pas de bastion à l'horizon, mais je vais peut-être essayer de faire des trades avec les piglins. Ça peut être intéressant d'avoir un arc avec des flèches. Mais bon, vu que là, j'ai vraiment pas de chance avec le Nether, je spawn toujours dans ce biome nul. J'en peux plus de cette nourriture, les gars. Mais en vrai, pour tuer les Enderman, je peux me servir d'un bateau. Ça va être assez rapide. Oh, let's go, on a un portail du Nether abandonné juste ici. Et un petit peu de canne à sucre. Oh, let's go. Normalement, je peux récupérer ça. Voilà. Oh, non, 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 non. Oh, purée, oh, purée, oh, purée. Il y a le coffre. Dis-moi qu'il y a des trucs intéressants. Et non, il y a rien du tout. Et du coup, me revoilà dans l'End et je suis en train de brûler de lave. Bon, ça m'a clairement servi de leçon. Je vais me faire un seau que je vais remplir d'eau juste après. Et du coup, normalement, si je fais ça, est-ce qu'il y a un Enderman? Parfait. Et là, je peux les tuer ultra facilement. Allez, toi, monte aussi là-dedans. Voilà, parfait. C'est trop marrant comment ils s'assoient en vrai. Bon, par contre, je viens d'en tuer deux et ils m'ont pas donné d'underperle. Non, mais ils font exprès. Allez, s'il te plaît, donne-moi une perle. Allez, s'il te plaît, let's go. Et du coup, de retour dans le monde normal, parfait. Je peux récupérer directement de l'eau. En vrai, on a pas mal d'or. Ça peut le faire pour essayer d'avoir des flèches. Par contre, j'ai qu'une seule ficelle pour me faire un arc. Et toujours pas de monument, d'accord. Bon, bah, on va continuer directement ce qu'on était en train de faire. On bute directement des Enderman. Let's go. Allez, tu meurs. Allez, s'il te plaît, let's go. On a déjà 4 underperles. Ça devrait le faire. Allez, vite, je récupère ça. Let's go. Et vu qu'il fait nuit, je vais essayer d'en profiter pour essayer de trouver des creepers. Ok, des squelettes, des zombies, mais pas de creepers. Mais j'ai vraiment pas de chance. Oh, il y a des loups ici. Je sais pas si ça peut être intéressant de les adopter. Mais bon, pour le moment, j'ai pas d'os. Oh, 4 secondes pour tuer un creeper. Allez, s'il te plaît, dis-moi que ça passe. Et non, bah, de toute façon, je l'ai fait péter. J'ai paniqué. Et je me fais directement attaquer par un ghast. Bon, il est temps que je me fasse ce ghast parce qu'il commence à me saouler. Allez, s'il te plaît, que ça passe. Et non, dommage. Allez, s'il te plaît, parfait. On a récupéré de la poudre à canon. Let's go. On peut se faire un petit peu de firework. Faut que je trouve encore des creepers. Mais il y en a pas. Ok, il y en a un en face de moi. Mais je l'ai encore fait péter. Mais je suis trop nul. En vrai, là, il y a vraiment beaucoup de creepers. Il faut pas que je me fail. Let's go. J'ai 20 secondes pour en tuer un maximum. J'ai réussi à en tuer deux à peu près. Et lui, bah, je pourrais pas le tuer. Dommage. Il me faut un petit peu plus de bouffe parce que là, ça commence à être compliqué. Et j'ai vraiment pas de chance avec les monuments en vrai. Après, je dis ça, mais j'ai quand même réussi à avoir d'entrée de jeu, bah, un full stuff comme je suis et bah, des élytras. Donc bon, je suis pas à plaindre. Toujours rien d'intéressant dans ce Nether en vrai de vrai. Non, mais sérieusement, vous voulez que je fasse quoi ici? Ok, d'accord. Je viens d'avoir le pire spawn dans l'End. Je suis au milieu de rien du tout. Est-ce qu'il y aurait au moins une forteresse autour de moi? Bah, non, même pas. Bon, bah, c'est pas grave. Je pense qu'on peut en profiter pour demander directement de mettre des pouces bleus. Oh, purée, il y a un monument qui vient de charger juste ici. Bon, après, il était quand même assez loin. Je sais pas si j'aurais eu le temps. Est-ce qu'il y aurait pas des piglins par hasard? Mais purée, mais c'est quoi tous ces ghasts? On va essayer de le tuer pour essayer d'avoir de la gunpowder. Mais bon, quand même. Oh, purée, il est en dessous de la lave. Ouais, bah, comme par hasard. Ok, j'ai changé de dimension et je me suis retrouvé encore devant l'Ender Dragon. Cette fois-ci, je vais pas me fail. Je vais vraiment essayer de péter un maximum d'Ender Crystal. J'espère que ça passe. Let's go, boum. On va mettre les élytras. Et est-ce que je peux aller vers un autre? Ouais, je peux aller vers celui-là. Allez, vite, 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 vite. Parfait. Est-ce que j'ai le temps de le péter? Boum. Ok. Bon, là, je pense que j'ai clairement plus le temps d'en péter un autre. Et me voilà encore une fois dans le Nether. Ok, il y a des piglins juste là-bas. On va y aller. Parfait. Ils sont en train de me défoncer. Ils m'ont mis super low HP. Bon, c'est pas grave. On va essayer d'en capturer un là comme ça. Vas-y, descends. Allez, hop.
Parfait, j'en ai capturé un. Et oh purée, il me reste 2 secondes, vite. Non, j'ai perdu un peu d'or. Oh là là, mais ce défi, il est trop dur. Bon, j'ai réussi à récupérer 12 flèches. C'est déjà pas mal. Petit à petit, dans l'end, on pètera un maximum de tours. Et on aura plus qu'à tuer l'Ender Dragon. Et normalement, ça devrait le faire. J'espère juste pas mourir, en fait. C'est le seul truc qui me fait un petit peu peur. Ok, je suis encore devant l'Ender Dragon. Allez, faut vite que je pète un Ender Crystal. On va monter directement comme ça. Et il faut MLG. Voilà, parfait. On pète un Ender Crystal. Let's go. Les Elytras sont là pour me faire aller directement de tour en tour. Boum. Ok, on en a une autre qu'on peut péter. Parfait. Let's go. Bon là il me reste 7 secondes, j'ai clairement pas le temps d'en répéter un autre. Oh waouh. Ok, il y a le Ender Dragon qui m'a attaqué. Et me voilà de retour dans le monde normal. Eh vraiment, j'en peux plus de cette bouffe là. Bon, il fait pas nuit, du coup je peux pas farmer des creepers. Mais en vrai je sais même pas si ça va m'être utile, parce que j'ai quand même réussi à péter pas mal d'Ender Crystal. En vrai il faudrait que j'arrive à me faire des potions de force, ça peut être intéressant. Et je suis de retour dans l'end. En vrai les Ender Pearls c'est vraiment pas négligeable, j'en ai vraiment besoin. Donc c'est parti, hein, on continue à en farmer un maximum. Il y en a 2 qui sont rentrés dans mon bateau, parfait. Est-ce que je vais avoir les 2 Ender Pearls directement? Il y en a même 3 qui sont allés. Oh là là, il y a 2 underpearls dedans, let's go. Et combien j'ai eu d'underpearls? Oh, les 3, je les ai eu. Y aurait-il des piglins par là? Ok, oh non, c'est pas des piglins, purée. Petit piglin, oh parfait, y'a un piglin là. Allez, s'il te plaît, échange-moi directement des trucs. Je me fais attaquer par des cochons. Ok, il m'échange des trucs. Oh purée, j'ai pas vu le timer, purée. Des fois, je fais pas gaffe au timer et j'arrive pas à m'en rendre compte. Attends, mais je viens clairement de retourner à un endroit où j'étais déjà allé. Y'a clairement ma table de craft. Bon, on va essayer de se faire un petit peu de firework, pourquoi pas. On en a 15, c'est déjà pas mal. Allez, on se fait un petit peu de bouffe aussi, comme ça on est vraiment bien. Et il faudrait que j'arrive à me téléporter devant l'Ender Dragon là. Je pense vraiment qu'il y a moyen que j'arrive à péter tous les Ender Crystal. Et de retour encore dans le Nether. Et c'est clairement un endroit où je suis déjà allé, ça me dit quelque chose. Ok, il y a une forteresse juste là-bas, je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible. Il faut que j'arrive à me faire des potions de force. Ok, je suis dans la forteresse. Et oh, il y a un petit coffre. Allez, s'il te plaît, peut-être du diamant. Et non, du fer. Bon, c'est pas grave. Je vais déjà me re-téléporter, mais j'ai le temps de rien faire. Il fait jour, donc je n'ai absolument rien à faire ici. Après, avec un petit peu de chance, je pourrais essayer de trouver un village. Et pour le moment, bah, j'en vois pas du tout. Bon, bah, j'ai vraiment littéralement zéro chance là. Ok, je suis dans l'end. Oh, je peux directement me TP directement devant l'Ender Dragon. Allez, on y va, let's go. Je suis devant l'Ender Dragon, parfait. Il faut que j'arrive à péter les Ender Crystal. Allez, hop. Boum. Allez, on va aller vers les 2 autres. Est-ce que j'ai le temps? Ok, boum. Je vais clairement boire une potion d'instant heal. Et je sais pas si j'aurai le temps de péter le dernier. Allez, s'il te plaît, boum. Ok, il me reste un seul Ender Crystal. En vrai, ça devrait le faire. Je crois que je vais clairement abandonner l'idée de me faire des potions de force. Parce que là, je pense qu'on arrive déjà au bout de l'objectif. Le seul problème, c'est que je pense que je vais faire vraiment 0 dégâts à l'Ender Dragon. Qu'est-ce que je pourrais faire d'utile? Bah, on va se balader directement. Je pense que c'est le truc le plus worst que je peux faire à l'heure actuelle. Mais pour le moment, je vois vraiment 0 monument, même comme ça. Et je suis en train de gaspiller tous mes feux d'artifice, donc j'ai un peu le seum. Oh, mais purée, je vois un monument au dernier moment. Ok, monde normal, il fait nuit. Y a moyen de farmer des creepers. Pour le moment, j'en vois aucun. Non, mais ça existe pas les creepers dans ce jeu, ou c'est comment? Y a clairement des squelettes, des zombies, mais même pas de creepers. Oh, purée, c'est pile quand j'en vois 3 directement. Bah, que je me téléporte dans 2 secondes. Je vais essayer de monter le plus haut possible. Comme ça je vais pouvoir planer le plus longtemps possible aussi. Et espérer trouver une forteresse. Vous allez voir là il reste à peu près 10 secondes. Aux dernières secondes je vais en trouver un. Et j'aurai pas de chance, j'aurai pas le temps d'y aller. Bah non, en fait même pas, d'accord, bon bah très bien. Ah mais regardez où ils m'ont fait spawn. Heureusement que j'ai des élytras, parce que comment vous voulez que j'avance comme ça? Oh let's go, il y a un bastion. Je vais clairement essayer de choper les coffres du bastion. Il y a moyen d'avoir des trucs assez cheatés. Ok, il y a un coffre tout en bas. On va balancer une Ender Pearl et une épée Unbreaking 1. Mais non, mais c'est pas ce que je veux. Allez, un autre coffre, s'il te plaît. Let's go, il y en a un autre là-bas, je le vois. Vite, 4 secondes. Et une pelle en diamant. D'accord, j'ai quand même réussi à choper la pelle en diamant. Eh, on a de la chance ou pas? On a une pelle en diamant, ça va trop m'aider pour tuer l'Ender Dragon, non? Oh, let's go, il y a un monument directement. Allez, s'il te plaît, il faut que j'y arrive. Normalement, avec les élytras, ça devrait le faire. Et oui, je crois que ça le fait clairement. Allez, on récupère tout ça. Des bottes, ok. Une pioche. Et encore des élytras, on va les prendre. Est-ce que je peux les prendre ou il peut arrêter de me saouler, lui? En vrai, je me demande qu'est-ce qui est le plus fort entre des bottes en diamant Fire protection ou des bottes en fer protection 4. Moi je pense clairement que c'est les bottes en fer. Du coup on va les garder et on a un petit peu de creepers. Et voilà, je perds tous mes creepers, c'est trop chiant. Je n'aurai jamais le temps d'en tuer. Allez s'il te plaît. Et non, j'ai pas le temps et je me fais attaquer par tous les squelettes de la terre. J'ai trop le seum. Et j'ai spawn à côté de la lave. Ok, bon, heureusement qu'ils me mettent pas dans la lave quand même. Par contre il me reste que 2 underpearls. Il faudrait que j'en refarme un petit peu dans l'end. Quoique en vrai il me reste qu'un seul ender crystal à péter en vrai. Je viens de voir qu'il y avait un bastion juste ici. Il reste que 5 secondes. Oh là là, mais pourquoi je regarde pas autour de moi? Ok, on est arrivé dans un biome Mesa, il y a moyen d'avoir beaucoup de creepers là en vrai. Comme c'est assez plat, il y a pas mal de mobs. Ok, il y a des creepers juste là-bas. Le problème c'est qu'il y a trop de mobs autour et j'arrive pas à très bien jouer les creepers. Allez, meurs s'il te plaît, parfait. En fait, j'ai compris la strat, il faut que je m'en foute des autres mobs et il faut que je focus directement bah les creepers. Par contre, je viens de tuer 2 creepers, ils m'ont donné aucune gunpowder. C'est que je suis clairement maudit. Oh, bah tiens, on est directement dans le Nether. Allez, on a un petit peu d'or juste ici. Est-ce qu'il y aurait par hasard un petit piglin? Oh, encore, let's go. C'est clairement la même que tout à l'heure.
peur. Il faut que je trouve un autre coffre, un que j'ai pas encore chopé. Il reste 8 secondes, c'est déjà mort je pense. Et ouais. Ok, je suis clairement devant l'Under Dragon. Où est-ce qu'il est le dernier? Ok, il est juste ici. Allez, je balance une Under Pearl et c'est parti, il faut MLG, parfait. Et je peux être le dernier, let's go. Maintenant j'ai plus qu'à tuer l'Ender Dragon. Maintenant il faut qu'il descende quand même. Il va mettre 10 ans à descendre. Oh, j'avais pas pensé à ça. Il me faut vraiment un arc. Si j'arrive à choper un arc Infinity, c'est gagné pour moi. Mais du coup là pour le moment je n'ai pas le temps. Je peux que le taper à l'épée. Et du coup bah j'étais obligé de me téléporter. Déjà pourquoi pas essayer de se faire un arc. On va descendre directement dans les mines en espérant tomber sur un mineshaft. Par contre je dis ça au hasard, mais si vraiment j'arrive à aller dans un... Non, je vous jure qu'il n'y a aucune triche. Bon bah parfait, je peux récupérer directement ça. C'est quoi ma chance? Non, sérieusement. Une fois j'en ai, une fois j'en ai pas, je sais plus où mettre. Peut-être que j'ai le temps de choper du diamant avec un peu de chance. J'essaie de descendre un maximum dans les mines, mais je pense que c'est mort. Et ouais, ok, on est directement dans l'end. Oh, let's go. Oh, s'il te plaît. Il faut que j'arrive à monter tout là-haut. Et j'ai qu'une seule firework. Je sais pas si ça va passer en vrai. Allez, il me reste 26 secondes. On va essayer de monter. Est-ce qu'il y a des coffres directement ici? Oh, dites-moi qu'il y a des coffres là au moins, s'il te plaît. Et oui, il y a des coffres, let's go. Allez, on récupère ça. Mais encore des bots, j'en peux plus. Y'a pas un autre coffre normalement? Bon bah j'ai le seum, j'ai réussi à rien récupérer. Et j'ai pas eu le temps de voir l'enchantement des bots. Ok, bon du coup je peux me faire l'arc directement. J'ai que 12 flèches. Bon bah pourquoi pas essayer de s'en crafter directement. Il faut que je fasse vraiment les trucs les plus utiles dans chaque monde. Du coup bon, on va essayer de récupérer du flint. Et après bah on essaiera de tuer des poules. J'ai que 30 secondes, il faut vraiment que je sois le plus utile possible. Allez, je vais poser ça à la rage directement. Allez, donnez-moi du flint, parfait. Ok, j'en ai plein. Let's go, plus que 12 secondes. Allez, allez, il faut que j'en récupère encore. Mais j'ai vraiment pas de chance avec le flint. Grave. Allez, s'il te plaît, une seconde. Oh, j'ai plus le temps. Oh, purée, dommage. Bon, de retour dans le monde normal. Y aurait pas des poules par hasard? Et oui, il y a des poules juste ici. Allez, boum, bam, bim. Bon, il y en avait vraiment que 3. J'ai un peu le seum. Et au dernier moment, je vois un village abandonné. Nickel. Non, mais je me fais TP dans les airs. Non, mais c'est grave. Allez, on continue à essayer de choper du flint. Et si je croise un piglin, on va essayer d'échanger un petit peu avec lui. Vraiment, là, mon but, c'est d'avoir des flèches. Et assez pour tuer l'Ender Dragon. Et j'avais pas vu le timer. Du coup, bah, j'ai laissé du gravier dans le nether. Quand je vois ça, j'ai un petit peu envie de pleurer. Allez, il me faut le monde normal. Allez, parfait. On a un petit peu de gravier et j'ai vu qu'à côté, il y avait directement une tour de pillager. Je peux essayer de choper un petit peu de flèches là-bas. J'ai 30 secondes pour monter dans la tour. Ça devrait le faire. Allez, dis-moi que je suis face à l'entrée. Non, bah, c'est pas grave. Je vais péter ça directement. Il me reste 9 secondes. Oh purée, mais allez, s'il te plaît. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Ok, on a un petit peu de flèches. Let's go. Et eux, bah, on va les tuer directement. Et bah, non, j'ai pas le temps. Je me fais téléporter. Je suis encore à côté d'un monument. Mais je sais pas si c'est déjà un monument que j'ai déjà fait. Allez, on va tenter le coup. De toute façon, je sais même pas si j'aurai assez de temps. Je pense clairement pas en vrai. J'aurais eu des feux d'artifice, ça serait pas c'est crème. Après, en vrai, ça peut peut-être le faire. Et non, c'est clairement mort. Ok, me voilà dans le nether. Il me faut juste des piglins. Non, mais c'est grave, il y en a pas. Mais là, il me reste plus grand chose à faire à part tuer l'Ender Dragon. C'est ça qui me fout le seum. Ok, je suis de retour dans le. Oh, je suis dans le devant l'Ender Dragon et il descend. On va pouvoir lui mettre des dégâts. Let's go. Allez, j'ai 30 secondes pour lui mettre un maximum de dégâts. Boum, boum, boum. Oh, purée, la vie qui perd. Oh, c'est parfait. S'il te plaît, dis-moi que tu perds. Oh, mais regardez la vie qui fait. Oh, let's go. Bon, il m'a éjecté, mais c'est pas très grave. On va continuer de lui mettre des flèches. Allez, s'il te plaît. Il faut que j'économise un maximum de flèches, mais pour le moment, bah, je suis pas du tout en train de les économiser en fait. En vrai, je suis quand même étonné, on s'en est pas mal sorti de combien de dégâts en lui-même qu'une épée en fer. Et de retour dans le nether, il me faut des piglins comme d'habitude. Là, en 13 secondes, c'est clairement mort. Je vais pas choper de piglins. Et dis-moi que je me TP devant l'Ender Dragon. Et non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Parce que ici, en vrai, je peux choper un petit peu de firework. Du coup, c'est cool. Et mais là, il y a pas mal de creepers en vrai. Par contre, si je les fais exploser, bah, c'est pas ouf. Ah, j'arrive. Oh purée, wow. J'ai failli mourir de l'explosion du creeper. Heureusement que je suis bien stuff. Encore et toujours des Enderman. Allez, meurs. C'est toujours utile d'avoir des Enderperles en vrai de vrai. Surtout bah quand j'ai pas de firework en fait. Et en vrai, je peux m'en crafter un tout petit peu de firework. C'est cool, je peux en crafter 6. Ok, me revoilà devant l'Ender Dragon. Oh, il descend. Non, mais j'ai. Non, mais deux fois de suite, j'ai de la chance comme ça. Ok, bah parfait. Allez, faut que je lui mette un maximum de dégâts. Allez, meurs, meurs, meurs. S'il te plaît, dis-moi que tu vas mourir. Au pire, on lui a enlevé la moitié de sa vie. Wow. Allez, on va continuer avec les flèches directement. Y a moyen qu'on réussisse ce défi ultra hardcore. Bon, j'ai plus de flèches, mais j'ai quand même quasi rentré toutes mes flèches. Bon, je me suis quand même crafté 4 flèches parce que bon, je pouvais le faire. Mais ça serait bien d'avoir un petit peu plus de poulet en vrai. Mais deux fois d'affilée, on a eu la chance que l'Ender Dragon descende pile au moment où on arrive. C'est quand même abusé et je me retrouve dans l'end. Oh, let's go, j'ai trouvé un monument. Celui-là, il me dit rien du tout. Du coup, il y a moyen que je chope une épée vraiment cheatée là-dedans. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Oh, let's go. Ok, on a eu 13 diamants, une épée Sharpness 3, parfait. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, un plastron. Bon, bah, va le prendre, c'est toujours mieux que ce qu'on a. Mais on a une épée Sharpness 3. Ok, on va lui faire super mal à l'Ender Dragon. Bon, j'ai un plastron en fer nul et un casque nul. Du coup, bah, on va directement bah, se faire ça en diamant. On a pile assez pour le faire. Du coup, let's go, on va mettre ça. Il y a vraiment moyen qu'on tue l'Ender Dragon la prochaine fois qu'on lui met des dégâts. Ok, monde normal, il me faut des poulets. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre juste ici? Ok, rien d'intéressant. Oh, tous les poulets qu'il y a ici, let's go. On va tous les tuer, parfait. Là, vraiment, on va avoir de quoi tuer l'Ender Dragon là pour le coup. Je vais me crafter directement des flèches, comme ça on perd pas de temps. On a 20 flèches. Ok, je suis encore devant l'Ender Dragon, mais cette fois-ci,
ici, bah il descend pas. Du coup, on va essayer de lui mettre un maximum de flèches. Allez, on va essayer de lui mettre le plus low HP possible. Il reste 8 secondes. Oh purée, il descend. Non, il reste que 8 secondes. Je pourrais jamais le taper à l'épée. Et c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Oh, j'ai spawn à côté de pas mal de poulets. Ok, let's go. Faut vraiment que je les tue tous. Là, ils vont vraiment me mettre bien. Allez, les poulets, donnez-moi tout ça. Ok, et du coup, je peux encore crafter des flèches. On en a 36. Plus qu'à attendre la prochaine téléportation et espérer qu'on arrive dans l'end. Normalement, plus on avance dans la vidéo, plus je spawn devant l'Ender Dragon. Mais bon, là, j'ai clairement pas de chance. Je suis dans le Nether. On a des piglins juste ici. Allez, venez là, les piglins. Je vous balance de l'or et donnez-moi des flèches, s'il vous plaît. J'espère avoir des flèches vraiment. Et ouais, let's go, j'ai eu des flèches. Allez, encore des flèches, s'il vous plaît. Est-ce que je vais avoir de la chance? Et oui, encore des flèches. Et non, j'ai pas eu le temps de les choper. Purée, j'ai trop le seum. Ok, what? Ok, j'ai spawn dans le. Ok, j'ai spawn sur l'Ender Dragon. Ok, combien de dégâts on lui met? Oh, what? Tous les dégâts qu'il met. Oh, let's go, on va le tuer. Let's go! Défi validé. On a réussi à faire ce défi ultra hardcore. Oh là là, enfin. Il était tellement dur ce défi et il m'a pris tellement de temps. Enfin, bref. Si vous avez kiffé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé du concept dans les commentaires. Et sur ce, ciao.